Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ça va très bien. On se retrouve donc pour jouer à Dirt Rally 2.0 et non pas Dirt Rally 2 tout court. Sinon, on passe sur la série un peu plus arcade de Codemaster. Donc, oui, je voulais dire, c'est assez rare. Pourquoi tu fais des jeux récents? C'est un scandale. Mais souvenez-vous, on a fait Dirt Rally 1, qui était un super jeu. Mais cette fois-ci, on va faire le 2. Donc, je précise que je n'ai jamais joué à ce jeu, si ce n'est juste tenter une spéciale pour voir si ça marchait bien. Mais c'est tout. D'ailleurs, ça se voit, j'ai zéro crédit. Alors, on va voir un petit peu de différence avec le Dirt Rally 1, qui était sorti il y a maintenant. On doit être à ouais, 3 ans maintenant. 3 ans, 4 ans. Je crois que c'est 2015 ou 2016 qui était sorti. Un jeu qui avait un petit peu. Comment dire. Remis un peu la simulation au cœur des jeux de rallye, ça c'était bien. Donc, c'est parti. Donc on a mon écurie, donc on peut voir des épreuves, participer aux épreuves de mon écurie. On a un garage. Dans le garage, tu peux voir les véhicules que tu possèdes, faire un essai sur route, ou encore vendre et acheter les voitures disponibles pour toi. Donc on a même un spotter qui nous dit ce qu'on peut faire avec, qui nous dit ce qu'on peut faire dans chaque menu. Alors lui c'est un peu troublant, moi j'ai plutôt envie de lui dire tais-toi, mais des fois c'est intéressant. Donc on peut acheter des véhicules, on a des véhicules qu'on a par défaut, on en a que 5, vous allez voir, voilà. Selon des classes un peu différentes, vous voyez on a les classes en haut à droite. On a par exemple la classe H1, la classe H2, la classe Rally GT, qui est ici, pas se tromper. Avec les, je crois que c'est 1600, alors c'est un petit peu difficile de voir ce qui a marqué parce que la fenêtre est assez réduite pour éviter de perdre trop en performance lors de l'enregistrement. Et on a les super... bon ça c'est celle qu'on avait d'ailleurs dans le Rally Cross avec l'Opel. Donc on aura une Porsche, une Fiat 131 Abarth, une Alpine Renault A110, une Lancia Fluvia. Donc on va pas faire le mode de garage dès le début. On peut acheter des véhicules, on va faire un petit entraînement, on va s'amuser à faire un jeu libre histoire de voir quels sont les modes de jeu. Donc là on a historique, donc on peut prendre part à des rallyes historiques, ça c'est cool, ça m'intéresse, on le fera peut-être un jour. Le FIA World Rally Cross Championship, donc le championnat RX, comme dans Dirt Rally tout court. Donc j'imagine qu'ils ont mis à jour un peu licence avec d'autres voitures, peut-être d'autres circuits, je sais pas s'ils ont gardé les mêmes ou s'ils ont fait les deux. Un mode personnalisé et un mode contre-la-montre. On peut même créer un championnat solo ou en ligne. Alors on va faire un petit contre-la-montre, histoire de découvrir un peu les rallyes auxquels on a le... qui nous sont, ils sont proposés. Sachant que je n'ai pas pris la version Deluxe, là c'est la version normale. Donc si vous achetez la version normale, enfin quand je dis la version normale, c'est la version Day One. Donc ben vous allez avoir ça. Donc on a Catamarca Provence en Argentine. On a Monaro, et pas Monaco. En Australie, on a Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande, on a la Pologne à l'honneur. Alors la Pologne c'est marrant, ça me fait penser un petit peu à l'Allemagne. On a Ribadelle en Espagne, on a la Nouvelle-Angleterre avec... alors c'est encore un faux ami, avec les États-Unis. On a la Belgique, alors ça c'est du rallycross par contre, hein. c'est pas un rally tout court. On a les Trois-Rivières, ça c'est encore du rallycross. On a Silverstone, c'est du rallycross. Donc ça, par contre, c'est des circuits. Par exemple, pour Silverstone... J'allais dire, c'est un circuit qui existe déjà dans le 1, mais je suis pas sûr. On a Loeac en Bretagne, en France. On a Elle en Norvège. Donc voilà, celui-là, il était déjà dans le 1. On a Montalegre au Portugal. Alors, Portugal aussi, je crois qu'il y était déjà. On a Barcelone-Catalunya. Pardon. On a le Grand Prix de Barcelone. Ok. Et on a Hold en Suède. Ok. Bon, on va faire du rallye. Même si on pourrait faire du rallye cross. On va partir sur... je sais pas. Est-ce qu'on pourrait prendre l'Argentine, la Pologne Alors, on va faire l'Espagne. C'est vraiment un choix au hasard. On a donc le choix de la spéciale. Une spéciale qui semble assez longue. Hein. Regardez, 10 km, 14 km. On a 10 encore. 4 km 58. On va faire une petite spéciale, pas trop longue. Histoire de... Voilà, histoire de vous montrer un maximum de trucs. Conditions de l'étape, toujours, eh ben, on a la journée, nuageux, etc. Donc ça, on va garder nuageux. Et on va faire confirmer. Et enfin, on a le choix des voitures. Regardez-moi ça. Et des voitures, on en a pas mal. Alors, il n'y a pas toutes les voitures, parce que c'est pas la version de luxe, encore une fois. Sachant qu'il y a des DLC qui sont disponibles. Donc on va commencer. Regardez quand même. Le choix est quand même énorme, ça c'est pas mal. 39 voitures, en tout cas, conduisibles pour le moment.
Donc on a la Mini Cooper S, on a la DS Automobile, donc c'est les premières DS, la vraie DS, hein, pas la DS qu'on a actuelle, DS Automotive, Automobile, avec les DS4, les DS3, etc. On a la Lancia Fluvia HF, on a une Volkswagen Golf GTI 16, ah oui alors ça ouais, ça c'est pas mal parce que c'est vraiment les années 70-80. On a la 205 GTI, ça c'est pas mal aussi, on a l'Escort MK2, c'est du classique mais c'est du bon. On a l'Alpine Renault A110 1600, ça aussi c'est pas mal. Je sais plus si on l'avait dans le 1, je crois pas, hein. On avait une Lancia Stratos qui ressemble un petit peu. Ou une Lancia, je sais plus quel modèle exactement, qui avait un petit peu l'avant similaire. On a une Fiat 131 Abarth. On a une Opel Kadett. On a une BMW E30 Evorally. Ouais, c'est un petit peu par. J'ai l'impression que c'est par date. Hein. Ça ressemble un petit peu. C'est un petit peu classé de manière chronologique. Mais en fait, non, c'est juste des catégories. Là, on est en H3. On a la Stratos. On a la Renault 5 Turbo. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. On a la Datsun. On a la Ford Sierra Cosworth. Ça, c'est sympa aussi. L'Audi Sport Quattro. Donc, ça, c'est des groupes B. D'ailleurs, on a ça en groupe B. Hein. On a la 205 T16. La Lancia Delta S4. La Ford RS200. Il y a du beau monde quand même. Ça fait plaisir, honnêtement, dès le début du jeu, d'avoir autant de choix. On a la MG Metro. Ça, c'est cool. Et là, on part directement un peu dans le futur. On a les R2. Donc, on a les Ford Fiesta. L'Opel Adam R2. Adam ou Adam, je sais pas comment ça se prononce. La Peugeot 208 R2. Ok. Et là, on a. Ah, les classes A. Vous savez que c'est mes favorites. Et on a enfin une ancienne Mitsubishi, ça fait plaisir. On a l'Impreza de 95, donc c'est celle qui était dans le 1, il me semble. Hein, je crois que c'était modèle 95. Pas le modèle 94, je sais plus ce qu'il y avait dans le 1. Ensuite, on a l'Ancia Delta HF Intégrale, ça elle était déjà dans le 1. L'Escort Terrace Cosworth aussi. Et enfin, on a la STI NR4, donc ça c'est les voitures récentes. La Evolution 10 comme dans le 1. On a une Ford Fiesta R5. On a une Peugeot 208. On a une Skoda Fabia, une C3 R5, une GTI R5, une Speedster R5, on a une Chevrolet Camaro, ah bon carrément, GT4, on a une Porsche, on l'a vu tout à l'heure, on a une Aston Martin, ok, on a une Ford Mustang GT4. Donc, alors les modèles de fin, c'est assez drôle parce que je me demande comment ça peut se retrouver en rallye ça, mais bon, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais pas, j'ai envie de prendre un petit peu au hasard à la fois et je suis un petit peu tenté de prendre des choses sympas aussi. Alors on va prendre une voiture normale, pas un groupe B pour commencer, on fera la différence après. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais pas. Oh, bah, on va prendre une petite 205 GTI, tiens. Alors on peut changer la couleur, hein, qu'avec la croix. Donc on a la couleur 2, vous voyez, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Donc si dans votre famille vous avez une Peugeot 205 GTI, bah vous aurez la voiture dans le jeu. Et pas mal de couleurs d'ailleurs. Allez, je vais la prendre noire. On va faire OK. Alors je joue à la manette, hein, pas au volant, vous l'aurez compris. Même si évidemment le jeu est beaucoup plus agréable au volant. 14h27 le départ. Ah oui, c'est la minute près. Alors les graphismes ont été un petit peu améliorés, c'est pas exceptionnel, mais. Enfin, c'est pas exceptionnel. Le jeu a un petit peu vieilli, on va dire, à ce niveau-là, mais c'est vraiment pas le principal. Le principal de Dirt Rally, c'est vraiment la conduite. Alors regardez, ça c'est bien aussi, on a vraiment un visuel de la voiture quand on commence, qu'on n'avait pas avant. On peut donc voir les pneus, et surtout à l'époque, on pouvait pas changer les pneus. Ça c'est un truc tout bête, mais on pouvait pas le faire dans Dirt Rally 1. On peut le faire maintenant dans le 2. Donc on a le choix entre la pluie, tendre, médium dur. On va rester sur du tendre, en plus c'est un choix recommandé, donc c'est parfait. On peut régler le véhicule. Alors là on a le parallélisme, on a les freins, force de freinage, répartition du freinage, différentiel. Voilà, on a la précharge, les transmissions, les amortisseurs, la compression, les ressorts. Donc c'est très complet, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut au niveau des réglages. Donc ça c'est toujours bien. On a le classement. Si on a un classement actuel, évidemment. Et on peut aller dans les options. Donc on va faire commencer directement. Ça fait déjà 10 minutes, ça serait bien de rouler un peu. On est en graphisme quasiment maximum. Donc on va maintenir le frein à 5, main. 4, 3, 2, 1, go. Et c'est Droite parti. 6, 100 mètres, gauche 3.
150 mètres. Gauche 2, extra long, ferme. Alors, je vais pas forcément vous garder cette vue tout le temps, je vais expliquer pourquoi, c'est surtout parce que le volant c'est dégueulasse à la manette, hein, vous aurez compris. Mais je vous montre un petit peu l'intérieur. Gauche 3, 30 mètres. Gauche 4, pas corde, droite 1, ouvre sur ciel. Dans droite 2. Alors on va voir un peu les vues. Ouvre et ferme. On a une vue extérieure, ça c'est bien. Extra long. Attention, ferme de long. Dans droite 6. Oh ben voilà. Déjà c'est le point. C'est le premier. Le premier fail, alors évidemment c'est pas la bonne vue, hein, donc on a une vue un petit peu plus éloignée. Alors je comprends pas les gens qui arrivent à jouer avec cette vue, mais bon pourquoi pas. On a la vue ras des pâquerettes qui est vraiment la plus impressionnante, hein, parce qu'on est vraiment, on sent bien la vitesse de passage dans les courbes, etc. Alors c'est un jeu qui est en DX12 aussi, donc il y aura quelques améliorations graphiques grâce à ça. Donc ça sous-entend évidemment avoir Windows 10 ou Windows 8 minimum. Si vous voulez en profiter. En tout cas, si vous avez une interrogation sur est-ce que le jeu est jouable à la manette, ben vous avez votre réponse, c'est jouable. Alors n'espérez pas faire les meilleurs chronos avec, hein, en revanche, mais ça reste tout à fait exploitable. On va changer un peu de vue, voilà, on va mettre la vue... Alors j'ai... ça c'est la vue capot ça. On dirait une vue même plus au-dessus. Dans droite 4, dans gauche 4 long, dans droite 5, dans corde gauche 3 long, dans droite 5 sur ciel, dans gauche 5 corde, dans droite 6 ouvre, 50 mètres, droite 3, gauche 5 corde. Dans droite 6 sur ciel, dans gauche 4 long, petite corde, 50 mètres, droite 3 long, ouvre, dans gauche 4 corde, droite 4, dans gauche 3 ferme, petite corde, et reste à droite 50 mètres, droite 4, 100 mètres, gauche 5 corde tard, extra long, 30 mètres, droite 5 tôt sur ciel. Alors là, c'est une vue sans volant. Ça va intéresser justement ceux qui jouent avec un volant, puisqu'on n'aura plus besoin, on n'aura pas double volant à l'écran. Elle est plutôt pas mal comme vue celle-là, je trouve, même si elle voit pas le volant, parce qu'elle a l'air un peu plus facile que la vue vraiment cockpit. Wow, je fais n'importe quoi. Et voilà la vue classique que vous avez au tout début. Dans gauche 4, 30 mètres. Oh, attendez là, oh là, regardez. Alors les dégâts toujours aussi bien faits. Est-ce que je peux réaccélérer? Oh, je peux pas réaccélérer. Oh bah je suis complètement... Voilà, pénalité. La voiture est complètement démolie, regardez. Alors on va remettre la vue, une vue que j'aimais bien, c'était cette vue. C'était vraiment agréable. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Dirt Rally 1, on avait aussi... vous avez une copilote féminine aussi, une voix féminine. Et je vous ai pas montré au départ quand on crée le personnage. En fait, on peut choisir notre pseudo. On peut choisir aussi notre avatar. Enfin, quand je dis votre avatar, c'est carrément la 3D, c'est-à-dire qu'on peut choisir un homme ou une femme. Et en plus, on peut choisir bah, évidemment le type, par exemple méditerranéen, type africain, type asiatique, etc. Et donc ça, c'est pas mal. C'est une petite nouveauté aussi. Extra long, ferme 4, 30 mètres, droite 5 long, attention 30 mètres, droite 1. Je suis pas très fort, hein, je découvre le circuit, il fallait le tracer de la spéciale. Donc, pas évident de faire un bon temps, mais c'est pas le but de la vidéo. Regardez, j'ai roulé sur le... Comment on appelle ça? Dérapage contrôlé, hop, même pas contrôlé d'ailleurs, je suis parti en arrière. Ça l'a glissé à la sécurité. Et j'ai même débloqué
de petits trophées. Alors, du coup, 205 GTI à jeu traction, ok. Donc, on va faire continuer. On peut changer évidemment notre nationalité. On peut voir le replay. 150 mètres. Il y a un truc qui m'énervait dans le replay, qui m'énerve toujours là, c'est qu'on a le spotter qui dit en fait les virages. Mais là, j'ai l'impression qu'il ne dit plus. Peut-être qu'ils ont corrigé ça. Ouais, les graphismes sont quand même bons, hein. On a face à nous un jeu très très beau. Mais on sent quand même, voilà, quand on va dans les détails, par exemple là au-dessus, bon bah ça manque de... Ça manque d'air, par exemple l'herbe qui était au-dessus là, on la verra pas d'en haut. Elle va disparaître d'un coup. Et quand je reviens dans le cockpit, voilà, on a le copilote qu'on entend, donc le défaut est corrigé, ça c'est bien aussi. On va faire quitter. Et on va retourner au menu principal. Alors j'aurais peut-être dû aller dans les options. Alors ça c'est super intéressant aussi. Regardez, on est revenu dans le menu principal, mais on a le fond d'écran qui est celui de la spéciale, où on est enroulé en dernier. Ça c'est pas mal, c'est la première fois que je vois ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va voir dans les options, quelque chose justement par rapport à ce que je vous disais. Est-ce que on a les voix? On peut choisir les voix. Est-ce qu'on peut avoir par exemple la voix de la femme comme on avait en France avant? Bah j'ai pas l'impression. On peut voir les paramètres du jeu. Donc là par exemple embrayage, réparation automatique désactivée. Anti-blocage de frein désactivé. Freinage sans embrayage c'est bon. Essuie-glace automatique c'est gardé. Caméra extérieure ok. Vous voyez qu'on a quasiment tout désactivé en assistance. Hein, donc ça c'est bien. La chandue, le tremblement de caméra si on en veut un. Les annonces du copilote, si on les veut plus tôt ou plus tard, ça c'est selon votre goût, vos goûts de conduite. Cockpit, pilote et volant. Les sous-titres activés, unités, fantômes visibles, le classement, multiplateforme par exemple, on peut avoir Steam uniquement. Et au niveau des paramètres de l'affichage, donc de l'écran que vous avez en course, donc ATH complet, les commandes, les annonces du pilote, les tags des pilotes en ligne si on veut, le flux de notification, les messages OSD, barre de progression. Donc, comme d'habitude, c'est du bon. On peut régler pas mal de choses dans le jeu. Ils ont laissé la liberté, ça c'est bien. On va pas quitter le jeu. On a la boutique. Donc la boutique, ça nous permettra d'acheter évidemment certaines voitures qui vont apparaître au cours de la vie du jeu. Ou les DLC. Et donc, ce que je vous propose de faire, on a notre écurie. Donc on peut participer aux épreuves en écurie. On va voir ce qu'on a. On a un staff aussi, j'en ai pas parlé. Tu peux recruter du staff ainsi qu'améliorer ton staff actuel. Donc par exemple, vous voyez, j'ai un copilote, j'ai un ingénieur en chef, j'ai un ingénieur là, j'ai encore un ingénieur et tout, je peux voir jusqu'à 6 ingénieurs, enfin 5 plus un ingénieur en chef. Et par exemple, si je vais voir mon copilote, donc là je peux améliorer sa capacité de remplacement des roues, la connaissance logistique. Il nous explique que ça réduit la pénalité reçue lors du remplacement d'une roue en piste après une crevaison. Une connaissance en logistique, donc ça réduit la pénalité reçue lors de la réinitialisation de votre véhicule en piste. Et les capacités de réparation, ça permet le retour de votre véhicule à l'heure de service après n'importe quel type de dommage irréparable. Donc vous voyez, c'est quand même important d'avoir un bon staff derrière nous. Par exemple, lui, connaissance en recherche, ça réduit les exigences je vais y arriver, nécessaires pour atteindre les objectifs de recherche en matière d'amélioration de moteur. Lui c'est pour avoir une précision sur la réparation du véhicule, pour mettre en évidence les réparations à réaliser plus tôt. Et on a par exemple une ingénieure, capacité de réparation du moteur, enfin énormément de choses à améliorer. Et ça par contre on pouvait pas le faire avant, ça s'améliorait automatiquement quand on prenait quelqu'un et qu'on faisait des bons résultats. On augmentait les capacités de notre équipe, sachant qu'on pouvait évidemment de base récupérer un ingénieur qui était très fort. Là on peut les améliorer, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bah écoutez, on va faire une épreuve non écurie. Communication avec RaceNet. On fera diverses épreuves qui te permettront de remporter des récompenses si tu participes aux défis disponibles. Tu peux pratiquer la conduite dans ta discipline préférée. Essaie-en une autre si tu t'en sens capable. Alors là, par exemple, on a une carrière rally cross, défi quotidien, donc ça c'est du online. Défi hebdomadaire, défi quotidien à nouveau aussi, ça c'est un communauté, ça c'est un événement spécial. Vous voyez, il y a pas mal de choses à faire, il y a 16 blocs. Défi quotidien contre l'IA. Enfin, il y a du contenu. Je pense qu'il y a moyen de vraiment pas s'ennuyer dans ce jeu. Et ce qui est toujours, toujours cool. Alors par exemple, si on fait une carrière de rallye, on va faire une carrière directement.
Alors on a notre 5 petites voitures. Je vous propose pourquoi pas de prendre l'Alpine. 125 chevaux, 680 kg. On va voir un petit peu comment elle se conduit. On va sélectionner. Et donc on a vu dans le centre de réglage du moteur, option moteur numéro 0, on n'a pas d'amélioration. Ben on va faire accéder à l'épreuve. C'est parti. Alors météo couvert, d'accord. Alors là on peut voir la spéciale. Bon, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien, mais on peut, voilà, on peut juste visionner un petit peu à quoi s'attendre. On va faire passer. Alors on a droit à un petit shakedown, réparer le véhicule. Donc réparer le véhicule ça ne sert à rien parce que là on n'a pas encore cassé. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. On peut abandonner l'épreuve et choisir les pneus. On peut faire un shakedown, ça nous permet de faire un petit bout de spécial pour s'entraîner. Par exemple, je vais faire un shakedown pour vous montrer. 5, 4, 3, 2, 1, go. 30 mètres, gauche 4 ouvre, 50 mètres, reste à droite sur jump à voir, dans gauche 6 et 30 mètres, gauche 4, dans cachet, droite 1 ouvre. Reste à droite sur 80 mètres, cachet gauche 4, 30 mètres gauche 5, et 60 mètres, attention sur bosse, gauche 1, cachet. Dans cachet, épingle droite, étroit. Dans cachet, épingle droite, étroit. Dans gauche 5, 30 mètres, droite 4, dans gauche 3, dans droite 2, ferme. Alors la voiture glisse énormément de l'arrière, c'est assez impressionnant. On est à une très faible vitesse. Et j'ai l'arrière qui décroche d'un coup. Et surtout la voiture freine très mal, mais c'est logique, hein. C'est une voiture qui a pas mal d'années. Enfin, c'est pas la même efficacité que les voitures actuelles, c'est tout à fait normal. Voilà, donc là par exemple j'ai fait un petit shakedown, donc c'est une petite partie de la spéciale. Et ça me permet par exemple de tester des réglages, j'ai jusqu'à 10 tentatives. En plus on peut voir les temps qu'on a fait pour voir si on améliore ou pas. Alors du coup je dois réparer le véhicule. Ça par contre c'est assez bizarre. C'est-à-dire que le shakedown en fait ça prend en compte les... Ça prend en compte ce qu'on fait dans les shakedown, alors qu'en général dans d'autres rallyes, quand on a des shakedown, on pouvait démonter la voiture, ça n'avait pas d'impact pour la tentative, la vraie tentative. Et ça nous coûte 367 crédits. Le problème, c'est que j'ai pas d'argent, donc je peux rien réparer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire commencer. Non, on va pas le réparer, tant pis, on va faire 100. Et on va tenter notre première spéciale. Alors on peut voir qu'il y a une voiture qui fait un peu le balai devant nous. Départ 30 mètres. Gauche 4, ouvre 50 mètres, reste à droite sur jump à voir, dans gauche 6. Bonne chance. Ok, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go. 30 mètres, gauche 4, ouvre 50 mètres, reste à droite sur jump à voir, dans gauche 6 et 30 mètres, gauche 4, dans cachet, droite 1, ouvre. Voilà. Alors ça, c'était évident. Avec l'arrière aussi baladeur, on allait toucher, c'était presque normal. Donc vous pouvez voir à gauche qu'on a la barre de progression de la spéciale. Et on peut voir notre écart par rapport au leader de la catégorie. Mètres,
Alors ce qu'il faut faire quand on joue à ce genre de jeu pour la première fois, c'est pas tenter d'aller vite en fait, c'est vraiment tenter de maintenir sa voiture, de pas faire le moins d'erreurs possible, apprendre le tracé surtout, parce que ça c'est le plus difficile, hein, les tracés étant tellement longs, que pour les retenir par cœur c'est pas évident. Gauche 4 reste à droite sur 30 mètres, attention épingle gauche. Cacher, épingle droite, ouvre. Dans droite 4. Oui, là par exemple, je suis vraiment à l'arrêt. Et pourtant, si vous regardez le temps du leader, eh ben, on commence à se rapprocher légèrement. Dans cacher, épingle droite, ouvre. Alors, je peux utiliser évidemment le frein à main pour faire glisser la voiture de l'arrière. Et surtout pour reprendre le virage. Mais avec ce genre de voiture, ça n'a pas trop d'intérêt parce que la voiture glisse énormément déjà. Et il faut dire quand même qu'elle fait que 125 chevaux. Et comme elle fait 680 kg, bah en fait ça fait une voiture plutôt performante. Dans gauche, 4 longs bosselets et 30 mètres. Soulage, droite, 2 longs fermes. Attention au mur. Alors on peut voir que le premier secteur, j'ai été en retard par rapport au leader. Mais ça, on s'en doutait, parce qu'avec le départ pourri que j'ai fait, ben, on n'allait pas faire le meilleur temps, ça me paraît une évidence. Dans attention, gauche 5 et 30 mètres sur boss, épingle droite cachée. 30 mètres, droite 6, 50 mètres. Attention, reste à droite, gauche 5, backorde et 30 mètres. Ciel et gauche un long, ferme épingle gauche. Alors je sais pas ce qu'ils appellent ciel quand ils disent les instructions. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par ciel. Dans backorde, gauche 5, dans droite 1. Alors après c'est le temps du leader évidemment, de la spéciale, ça veut dire que je suis forcément derrière la spéciale. D'ailleurs on le voit, je suis 3ème pour le moment, à 9 secondes du leader de la spéciale. Alors évidemment vous aurez compris, j'essaie pas trop parler pour vous laisser profiter un peu du jeu, surtout du son qui est plutôt magnifiquement bien rendu. Surtout entre les voitures, ils sont complètement différents. Mètres, droite 5 long ouvre, 80 mètres. Boss et chop dans gauche 6. Dans soulage, droite 6 très long sur ciel. Ferme épingle droite, pas corde. Cinquante mètres, ciel et gauche 3, petite corde, dans droite 4. Cinquante mètres, à gauche 4 longs ferme, 30 mètres, reste à droite au croisement, dans gauche 4, et backer de gauche 3, dans droite 1. C'est bon, on est passé par-dessus le caillou, mais on a failli rentrer dedans. Ferme 1, 50 mètres, droite 5, dans gauche 4, aïe 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 aïe, l'arrière qui a touché, droite 4 sur arrivée, ouvre, 30 mètres, stop, ah c'est dommage. S'arrêter près du juge. Bon, on va s'arrêter. Il est là, ok. Cela semble bien, mais attendons les temps. Regardez l'avant, comme il est complètement détruit. Alors, on a fait le cinquième temps. Bon, j'ai vraiment. C'est dommage parce que sur la fin, j'étais quasiment revenu sur le leader. Mais comme on a fait une petite erreur, là, un petit 360, on a perdu du temps. On est combien là? Il y a du monde, hein. Regardez, il y a 30. 30 IA, bon c'est des IA, hein. On peut voir les écarts maximaux, et quasiment, ah il y a une pénalité aussi, hein, ça aide pas, mais si sans les pénalités ils sont en 5.38, ouais donc on leur met 20-30 secondes, on peut changer le filtre à X,
Alors ça c'est résultats généraux, ça c'est résultats par catégorie, et en généraux on peut voir qu'il y a des H3 aussi. Ah oui, regardez, on a le résultat généraux, ça c'est pas mal. On a les groupes B, qui tournent en 4 minutes 30, et nous bon, on est loin, hein, on est 71e, mais il y a 150 temps enregistrés, donc ça c'est bien. Allez, on fait continuer, on va passer à la suite, et on a gagné quelques succès. Donc là, c'est Catamarca Province, toujours en Argentine. C'est une spéciale assez courte, 3 km 35. On va faire celle-là et puis après, on essaiera peut-être un autre circuit avec une autre voiture, histoire de voir un peu les différences de puissance, de maniement et peut-être d'autres types de tracés. Départ Et gauche évidemment, on 6 essaiera sur de voir droite, le attention, rallycross. 35 sur ciel et pont étroit. Dans gauche, un ferme, petite corde. Bonne chance. 5, 4, 3. 2, 1, go. Gauche 6 long, temps attention, droite 5 sur ciel et pont étroit. Dans gauche 1 ferme, petite corde, 30 mètres. Droite 4 ferme, dans gauche 5. Alors, il faudra faire attention à ne pas casser sa voiture comme dans dans tous les jeux de rallye ferme, dans gauche 1 long, qui se veulent un peu réalistes. Attention, ferme sur pont Puisqu'évidemment, étroit. Les dégâts que je génère dans dans la spéciale. gauche 1 et 30 mètres. Droite à ferme. Je les retrouverai à la spéciale ensuite. J'ai failli me tuer. Et donc du coup, si par exemple pour une voiture qui est complètement amochée en spéciale 1, bah, la spéciale 2, on va souffrir encore un peu, puisqu'il n'y aura rien qui sera réparé. C'est très joli comme rallye là. Alors je change pas trop la vue parce que c'est une vue assez confortable, c'est-à-dire qu'elle est. Vous savez très bien que j'aime beaucoup la vue capot parce qu'on est un petit peu près du sol, mais on n'est pas trop gêné visuellement par le cockpit. Mais bien entendu, quand on joue au volant, on aura envie de jouer en vue cockpit aussi. Et là, mystérieusement, on est en tête de la spéciale alors qu'on a fait une marche arrière avant le pont. C'est drôle ces ponts là, c'est plutôt amusant. Alors là où je vois plus trop le rallye Piombay, donc je sais pas vous dire si ça ressemble vraiment au spécial actuellement en Argentine. Allez, on va profiter un peu de cette spéciale qui va être courte, hein, je crois 5. Droite 6 sur ciel. Gauche 5, dans droite 2 ferme, dans gauche 2 ferme 1. Alors la question qui va vous intéresser sûrement, est-ce qu'il est mieux que d'autres alliés? Alors pour certains ajouts, oui, complètement. Après c'est un peu la continuité, hein, c'est plutôt un Dirt 1.5 je trouve. Mais il apporte pas mal de nouveautés, quelques trucs en plus, donc pour moi il sera meilleur que le 1 inévitablement. Après, je sais pas en fait comment il aurait pu être moins bon, parce qu'ils ont le maniement est toujours aussi intéressant, les graphismes ont été un peu améliorés. Il y a un peu plus de spécial, j'ai l'impression que la voiture est assez conséquente comme le 1. Donc pour moi il est meilleur que le 1, voilà ce que je peux vous dire. Après le 1 vaut toujours le coup, hein, si vous le trouvez pas cher. Bon, celui-là par exemple, je l'ai pris, il valait 28 francs. Mais on peut le trouver, je pense, en version de luxe, c'est à peu près 50, 60, 70 francs. Pardon, 10 francs, mais oui, c'est aussi en euros. À 10% près. Donc, c'est un jeu qui vaut pas cher si vous prenez pas la version de luxe. Donc, plutôt abordable. Donc, après, si vous trouvez le 1, on va dire à 5 euros, jetez-vous dessus, ça reste quand même un très bon jeu, toujours maintenant. Toujours aussi compliqué. Ah, je savais que j'allais taper de l'arrière. Par rapport au leader, par contre, on a mis énormément de temps, ça c'est bien. Oui, il faut y aller calme, hein, il faut pas. C'est vraiment du rallye, hein, c'est pas on fait le meilleur tour comme en F1, il faut aller à fond, à fond, à fond, tant pis ce qui se passe. Là, il faut vraiment. Faut rester concentré. Et c'est là où c'est difficile de vous montrer un jeu de rallye en direct. Il est où le juge? Oh oui, vas-y, juge-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas t'écraser. Tu viens juste de réaliser le meilleur temps dans cette spéciale.
Alors, je sais pas vous, mais moi je sens un roulant d'accent un peu belge quand il parle. J'ai l'impression de voir la série belge où il y a un flic en moto qui arrête des automobilistes. Je sais pas comment s'appelle cette émission sur l'RTBF, mais ça me fait penser vraiment à cette voix-là. Et donc, on a fait le meilleur temps de la spéciale. Donc, on peut faire continuer. Il y en a le temps de l'épreuve. Donc, pour le moment, on est premier. Et ce qu'on va faire, c'est retourner au menu principal. Par contre, évidemment, je ne sais pas si on peut sauvegarder. On a le classement. On est 1366e mondial. 1366e mondial. Je ne sais pas si c'est bien. Mais bon. En tout cas, voilà. On va faire retourner au menu principal. On va faire oui. Et on va tester un peu un autre mode de jeu. On va tenter de faire un petit peu de rallycross. On va pas faire forcément une carrière, mais on va faire un mode de jeu libre. Voilà, FIA World Rally Championship. Alors, performance de l'IA moyenne, dégâts hardcore désactivés, activés. Ah bah allez, on va mettre activé. Performance de l'IA, on va la mettre à 100, parce qu'on est des tarés. On va faire... non, peut-être que je suis peut-être un peu fou. On va mettre 95. On va faire appliquer. Et là, donc, on a les voitures de la série RX. Donc, on a les Volkswagen, on a une Audi S5 Quattro, on a une 208 WRX. On a la Ford Fiesta, on a la Mégane qui était pas là dans le 2, dans le 1. La Ford Fiesta, c'est classique. On a encore une Audi. Oh, on a une Audi façon Force India. Enfin, BWT. Hein. C'est le sponsor. On a la Subaru STX. Oh, c'est bien ça. J'aime bien les Subaru. Bah, écoutez, on va prendre une Subaru. Celle de Atkinson. Donc là, il y a carrément la licence. Hein. Donc ça, c'est bien. On va faire sélectionner. On a un championnat entier. C'est un truc de fou. Il y a 8 courses. Vous pouvez voir là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Difficulté générale très difficile, on a mis. Bah écoutez, on va faire une petite course et puis on changera après. Donc là, on va commencer à Barcelone. Et effectivement, vous reconnaîtrez le dernier secteur de Barcelone, le circuit de Catalogne. Sauf que là, il est aménagé en mode RX. Donc on a une partie qui est asphaltée, une partie qui va être. Avec du gravier. Sympa, on a une petite vidéo, quelques présentations, en plus c'est sous-titré, alors peut-être que vous les verrez pas très bien vous, mais on peut, voilà, si vous comprenez pas l'anglais, il va vous traduire. Alors, qualification. Les 20 participants s'affrontent par groupe de 5 pour établir le temps le plus rapide possible et marquer les points en fonction de leur performance dans chaque épreuve de qualification. Les 12 meilleurs pilotes après 4 qualifications se qualifient pour les demi-finales. Donc c'est parti. Alors c'est pas la qualification dans le sens meilleur temps, hein, c'est vraiment les courses, voilà, il faut terminer devant les autres. On va faire entraînement. Utilise le tour Joker à ton avantage. Tu n'as à le prendre qu'une fois, sinon tu recevras une pénalité de temps. Voilà, ça nous permet de découvrir un petit peu. Alors vous allez voir que, que niveau maniement ça va pas être la même. On va voir si c'est plus dur que le 1. Ouf, le 1 c'était pas évident. On va voir. Ouais, ça glisse pas mal. Oh là là. Je vais me prendre le mur. Alors, ton joker était à gauche. Je fais n'importe quoi. J'arrive même pas à savoir où en fait où est le tracé, quoi. On repart dans le gravier. Ah, c'est serré quand même. C'est vachement serré. Je vais une fois que j'aille là, ça c'est le finish. Ok. On va retenter une fois, on va essayer de prendre un petit tour joker. Ouais, pas évident. Hein. Oh la vache, faut se reprendre le mur, non c'est bon. Alors si on passe par là.
Non, c'est pas par là. Ah oui, donc en fait, en allant tout droit, en prenant le joker, voilà, et là, en en coupant, on prend pas le joker. C'est bon, j'ai compris. Parce que c'est vraiment important, mine de rien, ton joker, parce que si on le prend pas, on prend une pénalité. En plus, j'ai pris... j'ai pris tous les dégâts dans la tronche. Ok, c'est une catastrophe, hein, pour l'instant. Mais c'est comme tout, tout jeu au début, ouais, je fais n'importe quoi. On va retourner à l'atelier. Meilleur tour joker, meilleur tour 56, ok. On va faire une course directement, de toute façon on n'est pas là pour gagner. La voiture est complètement démolie. Réparation, réparation normale. Réparation normale, réparation normale. Réparation normale, voilà. Donc on va faire confirmer. Et on va faire commencer. Alors régler le véhicule, qu'est-ce qu'on pourrait régler? Le paralysme, non, les freins. J'aime bien régler la transmission. On va la mettre en courte. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Transmission, amortisseur. Tendre, ferme, ressort. Oula, il y a trop de réglages, donc on va pas le faire. On va faire commencer direct. Et donc on est dans le groupe course B. Donc dans le groupe B, on va faire OK. Et donc on sera 5 sur le tracé. Ok, bonne chance. Donne tout ce que tu as. Allez, donne tout ce que tu n'as pas. C'est plutôt détaillé. Oh, le mauvais départ. Alors c'est parti, on a mis dégâts je sais plus quoi là, donc en gros le... Donc du coup le moindre choc va être assez violent. J'ai mis en très difficile, j'ai été vachement optimiste, regardez, je fais n'importe quoi. Mais ça c'est pas grave, on devrait quand même s'en sortir. On a eu un petit trophée, j'ai même pas le temps de le lire. Je vais prendre le joker, tant qu'à faire, au moins ça sera fait. Un de ces vents, en plus j'ai coupé, je crois. J'ai coupé, donc je prends une petite pénalité. Alors, moi je veux bien mettre la pression, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que la voiture devant elle est pas devant, elle est à 10 km donc. La voiture tourne pas en fait, c'est surtout ça. J'arrive pas à l'inscrire dans le virage. Bon, je suis peut-être allé un peu vite hein, en besogne en mettant 95% de difficulté. Mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour remporter. Enfin, on le sera peut-être plus tard, mais pour le moment, non. Oh, j'arrive pas à la tenir. Hein. Oh là là, c'est n'importe quoi. Je vais même pas me qualifier, je crois. Alors, ça se joue en temps, hein. Il faut pas croire. C'est pas forcément parce que je suis dernier là que je vais forcément être dernier au final. Je vais peut-être être avant-dernier par exemple par rapport à un autre groupe où une voiture a tourné plus lentement que moi. Oh là là. Dégâts irréparables, donc c'est terminé. On est mort. Ok. Ce fut une purge. Pénalité 15 minutes, oui, donc effectivement, je risque pas de gagner. Donc, on a le résultat final, regardez. On a la pénalité, le temps de course, on est en mode abandon. Donc bah, qu'est-ce qui se passe? Qualification 2, on est en course 4. On peut faire soit continuer, donc abandon, soit recommencer, puisque là j'ai abandonné hein, concrètement, puisque j'ai cassé ma voiture. Soit qu'on soit recommencer. Donc si je continue, bah, je passe au deuxième circuit de RX, etc. On a fini 20e, donc on a marqué le moins de points possible. Et le but bah, sur tous les championnats, bah, c'est, toutes les courses, pardon, c'est de finir le championnat premier. Allez, on va quitter, on va faire... bah, je suis obligé de faire continuer abandon, voilà. 20e, ouais, c'est un peu nul. Et on est dernier. Mais c'est pas grave, on fera mieux plus tard. Donc là, on va faire quitter, on va revenir au menu principal et on va se refaire un petit rallye en mode historique. Prenez part à des rallyes historiques, voilà. Donc on a le rallye classique. Alors pour l'instant, vous voyez, il n'y a qu'un seul mode de rallye qui est débloqué.
C'est le rallye classique, mais après on peut avoir les années 80, les classiques modernes et le rallye d'aujourd'hui. Donc on va faire un rallye classique. Before the monstrous engines of the decades to come, cars that entered rallies during this period were pretty much stock, with little or no change from the road-going versions. With no turbos to add extra power and no all-wheel driving competition, this is a stripped-back, pure driving experience and the perfect place to start your journey. Alors c'est parti, on a le trophée H1, la coupe H2 donc avec les propulsions et on a les légendes avec les... Ben, c'est pareil, hein, propulsion. Alors on a plusieurs écuries, regardez, on a écurie avec une Lancia, une Mini Cooper, une DS, là on a les Opel Kadett, une Fiat, une Ford. Écoutez, on va tenter la Stratos, histoire de voir un peu la différence. J'ai envie de tenter la Mini, mais bon, la Mini ça sera un peu lent. On a le choix entre une Datsun et une Lancia. On va prendre la Lancia. Et on a donc 2 fois 5 étapes. Difficulté générale très difficile. Ok, on est des fous. Et on va avoir le rallye de New Zealand à Ocean Beach. 11 km pour cette première spéciale. Avec un changement de dénivelé de 75 mètres. Qui... Non, c'est plutôt moyen. Les chargements sont plutôt courts, c'est une bonne nouvelle aussi. Alors, on a un shakedown, commencer, pneus, j'ai réglé les véhicules. On va faire commencer directement, on va pas perdre trop de temps. Elles sont belles quand même, hein, c'est... C'est Lancia. Alors je vais vous changer la vue quand même, voilà, histoire de que vous puissiez voir l'intérieur de cette Stratos, c'est quand même une voiture qu'il mérite, et surtout qu'il mérite de retourner en enfer parce qu'elle est incontrôlable. Donc voilà la vue vraiment intérieure. Oh mon sang, elle glisse de l'arrière mais c'est impressionnant. Et ça c'est la vue générale de la voiture, regardez-moi ce monstre. On va reprendre cette vue là, hein. Vous m'en voudrez pas, je vous ai montré un petit peu ça à quoi on aurait droit. C'est une bataille complète hein, pour pouvoir manier cette voiture. On aurait pas dû tester la Tatsun d'ailleurs, mais bon, on a privilégié le côté un peu plus mythique de la voiture. J'ose même pas aller vite. J'ai l'impression qu'à chaque freinage je vais mourir en fait, donc... Ça ne dirait pas comme ça, mais l'arrière glisse tellement qu'on est obligé de ralentir au maximum et pas trop tourner, sinon la voiture part en 360. C'est pour ça que je ne vais quasiment pas, enfin j'évite d'aller le moins possible à l'intérieur du virage. Parce que j'ai l'arrière qui va décrocher complet. Le leader il m'a mis un vent, mais ça c'est logique. Hein. Quand on découvre une voiture, il faut s'habituer à sa conduite. Et c'est là où le jeu est immensément riche. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire. Alors vous voyez déjà, on a pas mal de championnats. Ça, il n'y en avait pas beaucoup dans le 1, donc c'est encore un bon point pour Dirt Rally 2.0. Il y a aussi le fait que, une fois que vous avez fait par exemple un championnat, vous pouvez tenter avec un autre type de voiture, vous allez voir que le maniement n'est pas du tout le même, donc vous allez devoir vous réapproprier le maniement de celle-ci. Il y a quand même pas mal de défis, il y a le défi online. C'est un jeu presque sans fin. Si on veut battre les records, si on veut s'amuser, créer ses propres défis, jouer entre amis, parce qu'on peut jouer entre amis au Rallycross, mais on peut aussi jouer entre amis en faisant des championnats en ligne. Alors je sais pas si c'est pareil que dans le 1. Dans le 1 en gros on organisait une sorte de forum. Et sur ce forum en fait on pouvait créer des championnats et en fait les gens qui rejoignaient les championnats après revenaient sur le jeu et avaient une icône avec
leur inscription au championnat, ils pouvaient commencer à participer à la spéciale ou à la course. Et il y avait une limite de temps pour que par exemple tous les joueurs de la ligue finissent leur spéciale. Et ça permettait donc d'avoir un classement final, mais comme en vrai en fait. Donc je sais pas si ça a changé dans le 2 ou pas, on verra pas aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment pour les gens qui adorent le rallye, franchement c'est la simulation ultime. Le 1 ça l'était déjà, le 2 c'est pareil. Alors attention, une épingle. Alors c'est un jeu plutôt gourmand, mais bon, on va dire que maintenant les configurations des gens ont un peu progressé. Ça vous paraîtra pas aussi difficile à faire tourner que le 1 à l'époque. Bon, là, j'y vais tranquillement, hein, vraiment. Je vais faire en sorte de pas trop sortir. Ouais, pour récupérer l'arrière, c'est impressionnant. Je suis obligé de contrebraquer, mais vraiment fort. Allez, je vais me taire un petit peu, je vais laisser profiter. Épingle gauche. 30 mètres. Attention, gauche 5. Dans droite de long, ferme 1. Ferme. Dans gauche 6 sur ciel. Droite 6. Dans gauche 2, ferme. Dans droite de long, ouvre, 30 mètres. Droite 3 long. Dans gauche 5. Dans droite 3 long, ferme sur ciel. Dans gauche 1. Dans droite 1, ferme. Dans épingle gauche. Dans droite 2, ferme. Et ouvre long sur ciel, 30 mètres. Vous avez vu comme elle est partie d'un coup? Pourtant on était vraiment quasiment à l'arrêt, hein. On était à peut-être 20 km/h ou 30. C'est pour ça que même si elle est mythique cette voiture, je la déteste. Je la déteste complètement parce que c'est vraiment... Enfin, le mec qui arrive à la piloter, à faire des meilleurs temps avec cette voiture, c'est un génie. C'est vraiment un génie. C'est comme les groupes B, c'est des voitures qui sont ultra puissantes. Mais pour le rallye, enfin, c'était notre époque, mais c'est incontrôlable quoi. C'est vraiment vraiment difficile. Droite 3 long, ouvre sur ciel, dans gauche 1. Dans, attention, droite 2, ferme 1. Dans gauche 5, ouvre sur ciel. Dans pas corde, droite 2, ferme. Gauche 2. Bon, à l'inverse de l'Alpine, elle a des freins qui sont un peu plus puissants. Et après, pour finir, on fera une voiture un peu plus récente. Dans gauche 3. Dans droite 1, ferme. Dans gauche 2. Ah, et voilà, on est parti en VT. Allez, on va faire start, on va abandonner les prêts, on va retourner au menu principal. Histoire de vous montrer autre chose. Donc on va faire retour, on va faire un mode personnalisé. Donc contre la montre toujours. On va prendre... bon ça c'est les... Donc qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Par exemple on a la Nouvelle-Angleterre, Gravier, Asphalt List, Monaro, Qatar on l'a fait. Pourquoi pas l'Australie, ça peut être sympa. On va faire journée dégagée, on va garder comme ça. Alors attendez, nuageux, surface humide. Vous savez qu'on n'a pas trop vu la pluie. C'est un petit peu dommage. Et on va prendre une voiture un peu plus récente. Mais pas trop. On va prendre par exemple... Ah, je pense que vous avez envie pour qu'on prenne une groupe B, j'imagine. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va prendre? Non, c'est Delta, Ford... non, ça c'est une voiture trop récente. Trop récente. Donc je pense qu'on va plutôt prendre... une Delta peut-être comme ça, Lancia, ah, j'ai pris une Lancia donc on va prendre une Lancia. Bah écoute, on va prendre une Subaru, ça marchera très bien. Et on va faire une petite tentative sur Moonkin Pass en Australie.
12 km 50. On fera pas la spéciale en entier, ça durerait trop longtemps. L'histoire c'est juste de voir un peu la différence de maniement. Allez, on passe directement, on va faire commencer. Les effets de lumière sont plutôt 4, bien rendus. 3, 2, 1, go. 50 mètres. Gauche de long, ouvre sur ciel, jusque pont étroit, asphalte, dans droite de long. Oh là là, rien que le début de la spéciale est vraiment, vraiment pas facile. Gauche 4 long, attention, ferme sur pont. Et retour terre. 30 mètres, droite 4 sur ciel, dans gauche 6, 80 mètres, gauche 6, long sur jump, à voir, 30 mètres, soulage, gauche 5, long ferme 4, dans droite 5 sur ciel, 30 mètres, gauche 3, ferme, dans droite 3, long ferme sur ciel, 50 mètres, ciel asphalte dans droite 4, ouvre sur ciel. Et ouais, alors c'est toujours aussi difficile, mais quand même, on sent que les groupes A, c'est les voitures en fait, je dirais presque de débutants. C'est-à-dire que ce sont les. Bon, c'était 4 roues motrices, donc déjà ça va être pas mal. Mais elles sont plutôt homogènes. Elles ont une bonne vitesse de pointe, elles ont une bonne accélération, elles ont une bonne maniabilité. Et du coup, pour débuter dans d'autres rallyes, hormis la Mini Cooper qui est la plus marrante parce qu'elle est assez lente et qu'elle permet vraiment de se familiariser, c'est les voitures les plus faciles pour faire des gros temps en fait. Après, je dis ça, mais je vais sûrement planter. Hein. Vous avez que le moindre écart sur le côté, la voiture va partir n'importe comment et là, c'est la destruction de la voiture assurée. Vous avez vu là, j'ai pris un petit peu trop à l'intérieur. Là, ça fait la catastrophe. C'est un jeu qui ne pardonne aucune erreur. Bon, en tout cas, il est sympa. Donc, cette spéciale est plutôt marrante. Oui, je peux forcément aller trop vite, hein, mais pourtant, ça restait trop optimiste quand même. Et du coup, ben voilà. On a pris de gros dégâts, j'ai l'impression. Voilà, je vais remettre la vue intérieure. Oh la vache. Oui, j'y arrive pas, hein. Je n'y arrive vraiment pas. Je vais me prendre l'arbre, voilà. En vue extérieure, ça donne ça. Mon dieu. Alors, c'est les mêmes rues dans le 1, mais ça paraît logique parce que c'est la même voiture, hein, et que déjà dans le 1, les moteurs avaient été bien, bien rendus. Dans gauche 6, et 50 mètres, attention, droite 2 ferme. Alors je vous ai pas parlé aussi des niveaux des contrôles, vous l'avez peut-être pas vu, mais en gros avec les touches on peut augmenter les phares, enfin on n'a pas fait de spécial de nuit, c'est surtout ça en fait que j'ai oublié de vous montrer. Alors il n'y a pas de neige, puisque en fait si vous voulez avoir le Monte Carlo il faut prendre le DLC, ça c'est par contre un truc dommage. Et je crois que c'est pareil pour la Suède que l'on n'a pas dans ce mode là. Donc pour le prix, moi je vous conseille, si vous aimez vraiment ça, bah évidemment la version de luxe, vous allez vraiment avoir tout. Mais la version de base, pour au moins se familiariser avec le jeu, pour se faire plaisir hein, tout simplement, ça est largement suffisante, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Et si vraiment vous allez jusqu'au bout du jeu, ce qui sera une belle épreuve, hein, je pense, bah vous pourrez prendre la version de luxe et aller encore plus loin. Ou alors carrément aller sur le store et prendre les DLC. Mais voilà, ça mérite son titre de meilleure simulation en tout cas de rallye, vous l'aurez compris. Vous savez que je suis un fanat de ce jeu, hein, quoi qu'il en soit, donc c'est vrai que j'aurais tendance à peut-être un petit peu le porter trop haut dans l'estime, mais vraiment il mérite. Hein, c'est pas le jeu parfait, il y a encore moyen de faire mieux, mais on s'approche quand même de la quasi-perfection. Hein. Je sais vraiment pas ce qu'on pourrait reprocher à ce jeu. Aïe aïe aïe, voilà, on est dans l'arbre. Regardez, il y a des passages. Même si le jeu, je vous dis, c'est pas le jeu le plus beau, bah, on s'y croirait vraiment. Hein. Je sais pas si vous avez vu des rallyes d'Australie en vidéo. On a les couleurs, les ombres, la terre. On s'y croirait. Vraiment, on est presque arrivé au...
au plus proche de la réalité. On a quelle heure? On a une heure de vidéo. Je pense que ça va suffire. Je vais peut-être juste finir la spéciale, voilà, histoire de terminer sur un petit replay. Donc là, on a la moitié de la spéciale. Ouais, les effets de lumière, les effets d'éblouissement, plutôt bien rendus. Comme je le dis, là, on est quasiment au maximum. Hein. Il y a peu de choses qui sont au minimum. On est en 8x au niveau de l'anti-aliasing. Non, 2x en anti-aliasing. On a 8x en termes de anisotropique. Et quasiment tout le reste en 1.3. Donc voilà, c'est quasiment le jeu au plus gros. Sachant en plus qu'on ne joue pas avec l'écran. On joue avec l'écran un petit peu réduit au niveau de la taille. Là par exemple, on joue en 1024. Le jeu peut être encore plus beau. Reste à droite sur 120 mètres. Attention, droite 3 sur ciel, ferme 1. Dans gauche 2, pas voilà, quand on dit ferme 1, il faut vraiment se calmer. Dans gauche 4, long, ouvre sur ciel. Et gauche 6, et droite 4, long sur ciel, ferme 2. Et gauche 5, soulage. Ouais, c'est plutôt bien passé, hein, la spéciale. Bon, c'est une spéciale qui est longue, donc... C'est pas facile, mais avec une voilà un gros pas, je sais pas, moi je trouve que je m'en sors beaucoup mieux qu'avec une ancienne voiture, ou sauf, comme j'ai dit, la Mini. La voix du copilote, bon après ça sera, chacun jugera, moi c'est pas, j'aime pas trop, mais bon. Ça reste juste un copilote, hein. J'ai presque envie de mettre le jeu en anglais pour écouter le copilote en anglais. Dans gauche 5, ouvre sur ciel. Dans droite 5, croisement, 30 mètres. Gauche 4. Dans droite 6 et 3. Gauche à fond, 40 mètres. Droite 4 intérieur sur ciel. Et jump dans gauche 3 ferme, backhand, dans droite 4 ouvre sur ciel, dans attention gauche 2, ferme 1. 50 mètres, ciel, et en descente, droite 2 ferme. Dans gauche 2, 40 mètres, droite 4 sur ciel, dans gauche 5 très long, ferme 4 sur ciel. Dans droite 3 sur ciel, ouvre. Droite à fond sur ciel, 30 mètres, gauche 5, pas corde. Dans droite 6, ouvre, chop à fond milieu, et reste à gauche 80 mètres, droite 5, ferme, dans gauche 4, long, ouvre, 50 mètres. Apparemment, nous avons un problème moteur, essaye d'atteindre l'arrivée. À fond milieu sur gros jump, 80 mètres, droite 6, soulage, et 40 mètres, ciel milieu, dans droite 3, ferme. Dans gauche 3, dans droite 3 sur ciel, dans gauche 4 ouvre, 50 mètres, gauche 6 sur ciel, 120 mètres, gauche 6, 100 mètres, droite à fond sur ciel, et jump, 50 mètres, ciel à fond, 80 mètres arrivé, droite 6, bravo. Alors j'ai adoré le côté stoïque du copilote qui dit « Nous avons un problème moteur, essaye de rallier l'arrivée. » Surtout que ça arrivait de nulle part, hein, ce problème moteur. Je sais pas quoi il est dû, surchauffe, etc. Donc effectivement, on pourra avoir des problèmes de fiabilité avec la voiture. Donc ça, c'est encore un autre point. Décidément, il y en a pas mal. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous rappelle que c'est quand même un jeu très récent et c'est pas le cœur de la chaîne. En général, c'est une vidéo pour 100 sur un jeu récent. On va voir le replay, on va le laisser comme ça même d'ailleurs. Donc c'était Dotrally 2.0, je l'ai dit, un jeu très très bien, que je conseille vraiment vivement. Si vous le trouvez pas cher, jetez-vous dessus, surtout si vous adorez le rallye. C'est un jeu compliqué, il va falloir s'accrocher, il va falloir apprendre les spéciales, apprendre les voitures, gérer, configurer la voiture, enfin bien la régler. Le mode RX, il y a le mode online, il y a pas mal de modes de jeu. C'est un bon jeu quoi, voilà tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et peut-être un live un jour sur ce jeu. Ciao tout le monde !